Salut, c'est le Jérôme. En ce tout début du mois d'août, on vous propose de faire à nouveau un petit tour du jardin et du potager pour voir ce qu'il s'y passe, les évolutions et un peu faire le point sur ce qu'on y a fait. Alors, on n'y a pas échappé, on a essuyé de grosses pluies vers la mi-juillet, les cours d'eau ont retrouvé leur niveau de crue comme en plein hiver, on n'avait jamais vu cela en saison. Bon, pour nous, rien de bien grave au vu de ce qui s'est passé ailleurs, notamment en Belgique, où des gens ont disparu ou ont tout perdu. Les petits déboires au jardin paraissent bien dérisoires à côté de cela, et on pense à eux. Ceci dit, en dehors des grosses pluies diluviennes qui ont causé des inondations, cela fait des mois qu'il ne fait quasi que pleuvoir, et les températures ont du mal à grimper. Du coup, cela se ressent fort sur certaines cultures, qui souffrent ou accumulent beaucoup de retard, alors que pour d'autres, c'est bénéfique. On va voir tout cela. On commence, comme souvent, avec cette parcelle aux deux buts, entourée de framboisiers remontants qui font une deuxième floraison. Cette parcelle est la plus luxuriante du jardin. On y a planté énormément de choux et à vrai dire, eux profitent grandement de ce genre de climat. En effet, très tôt cette année, on a mis l'accent sur les choux. On n'avait rien pressenti, mais on était assez frustrés de n'avoir eu presque aucune récolte l'année dernière. En même temps que le repiquage de laitues et autres verdures, on avait donc planté bon nombre de variétés de choux à foison, un peu partout dans les buts, mais aussi sur les lignes. Et tout cela s'est assez bien développé. Choux cabu, vert et rouge, choux de Milan, choux de Bruxelles. Ici, nos plus belles laitues et les plus lentes à monter qu'on laisse grainer. Des fleurs en tout genre, surtout des soucis. Du maïs, une petite forêt de choux palmiers, et dans tout cela, encore quelques rutabagas. Ce n'est pas non plus une monoculture de brassicacées, dans tout cela, il y a encore des céleris, laitues, carottes, de la coriandre, basilic, fenouil, etc., etc. Et en bordure, de très beaux plants de courgettes, mais qui commencent à peine à produire. Ils sont pourtant pollinisés, mais on sent qu'il faudrait un petit peu de soleil et la chaleur qui va avec. Donc, les choux sont très beaux, avec la fraîcheur et l'humidité, on a très peu d'altis, ce qui leur a donné l'opportunité de bien démarrer. Bon, par contre, la pyrite du chou est bien là, pas encore trop de dégâts, on est assez surpris au vu de tous les papillons qu'on voit virevolter au-dessus, mais tout de même, quelques trous dans les pommes des choux. Pas de cosmo ici. Ils poussent à peine ailleurs et on n'a pas trouvé l'association si efficace que cela l'année dernière. On continue vers les parcelles en rondin et la spirale. Ici, un blanc de courge qui se remet doucement des attaques de limaces. Et dans cette parcelle, on y avait installé le premier semis de pois à rame et après la dernière récolte, on y a repiqué, devinez quoi, encore des choux, choux de Bruxelles et choux chinois. Dans la spirale, tout va toujours très bien. En plus des différents aromates, se suivent les floraisons, ici de la vipérine, ainsi que de la lavande, de la bourrache et du persil. Juste à côté, la parcelle de pommes de terre qui ont bien pris leur place. Pour buter les patates, on a à nouveau utilisé des orties qu'on fauche sur notre terrain. L'occasion aussi, en allant les récolter, d'observer les nombreux insectes présents sur les fleurs de berce. Les floraisons d'apiacées en général sont très visitées. Et des fleurs sauvages, on en laisse aussi au potager, comme la consoude ou cette magnifique silène dioïque, encore appelée compagnon rouge. Bref, les pommes de terre ont tout juste fini leur floraison, mais le mildiou est là et on commence à voir certains plants dépérir. Au milieu, on a récolté toutes les fèves, sauf les plus belles, qu'on va laisser aller à terme, pourvu que cela sèche, afin de reproduire les semences. Au bout de la parcelle, des cardons blancs, bientôt en fleurs, on en reparlera bientôt, et quelques fruitiers qui préparent leur production. Pour la suite du tour, on reprend depuis le début de la parcelle principale. Ici, une ligne de haricots nains, de betteraves et de pois à rame
le second semis qu'on vient tout juste de récolter. Les betteraves commencent à bien se développer et les haricots à nouer. Ici aussi, on a laissé une partie des plus beaux pois pour reproduire les semences. Juste après, encore une belle ligne de pommes de terre avec à leur gauche un semis tout juste levé de radis d'hiver et de navets. Le long des pois, de ce côté, il y avait de l'ail qu'on a récolté. À l'approche de la récolte, on avait noué les plants pour éviter la montaison et stopper la période végétative pour espérer faire grossir le bulbe. Mais malheureusement, vu l'excès d'humidité avec les pluies abondantes, la plupart des pieds ont fini par pourrir. Voyant cela, on a tout arraché et mis pour séchage dans la serre. Il y a tout de même quelques belles têtes, mais ce n'est pas une très belle récolte. Ensuite, quelques poireaux, céleri et basilic. Et juste à côté, quelques lignes de carottes et de poireaux. Repiquez après les avoir coiffés, habillés et mis à ressuyer. On vous renvoie à notre vidéo de l'année dernière où cela est détaillé. Avant cela, sur cette parcelle, comme pour beaucoup, on a mis la dose de paillage, à vrai dire la meule a fondu à vue d'œil. Toujours à proximité des carottes, derrière, encore des choux. Et sur la fin, les chicorées scaroles avec quelques pieds de choux de Bruxelles. De l'autre côté, un tout jeune semis de radis noir et de radis de saison. Et enfin, sur le bout de la parcelle, par derrière les bêtes, encore une forêt de choux, choux kale et choux palmiers. Avec parsemé non loin quelques pourpieds d'été. En bordure, les panais n'ont pas donné grand-chose, alors on a complété, eh bien, avec des choux. C'est sur le coin de ce côté qu'on a mis nos haricots cette année. On pensait que c'est une culture qui aime la chaleur, eh bien ce climat plus frais et humide semble pourtant leur plaire. Ils sont gigantesques, on aurait pu mettre des rames d'un mètre plus longues. Ils sont en pleine nouaison. On voit apparaître de nombreuses cosses qu'il faut récolter au fur et à mesure pour soutenir la production de fleurs. Dans tout cela et à leurs pieds, des courges un peu partout. À côté, les plantes cornichons qui commencent à produire et font beaucoup de fleurs. On prend maintenant la direction de la serre, qui est devenue une vraie jungle. Les tomates arrivent au plafond et on commence à voir les fruits rougir un peu partout. Il était temps. Beaucoup d'autres fruits sont en préparation. Sans parler des concombres qui envahissent les côtés et font plein de fruits. On les arrose tous les jours et ne sont pas amers. À leurs pieds, de ce côté de la serre, des aubergines, sans grand espoir, du basilic et aussi de la coriandre maintenant en fleurs. De l'autre côté de la serre, des poivrons qui commencent à produire, dont celui de l'année dernière en pleine production. À l'extérieur de la serre, encore quelques semis et boutures, saules marceaux, pommiers, figuiers, etc. Au printemps, on avait donc fait toutes sortes de boutures de saules et qu'on a commencé à implanter en bordure de notre terrain pour faire une clôture végétale. La suite, c'est encore des choux kale dans cette parcelle où les asperges se développent. La première récolte, c'est pour l'année prochaine. Et puis, encore quelques courges à l'emplacement d'un ancien compost pour arriver à la parcelle de tomates extérieures. Elles étaient très belles et commençaient à produire des fruits, mais les trop nombreuses pluies incessantes et l'humidité ont fait que le mildiou a fini par en avoir raison.
cela malgré les aspersions d'un mélange de lait et bicarbonate dilué, sauf que quand il pleut tous les jours, ça ne sert à rien. On s'est donc résolu à toutes les arracher. Tant pis. Et à la place, on a déjà refait quelques semis de chicorée et laitue. Il reste encore malgré tout quelques pieds de tomates devant la verrière, un peu mieux protégées de la pluie. On verra bien si elles tiennent le coup. À côté de tout cela, on a encore, comme chaque année, énormément de rhubarbe. Un peu plus loin, les petits fruits qui ont fini de produire, mais le feuillage est atteint d'anthracnose, une maladie cryptogamique, ici aussi causée par des excès d'humidité. Seul le feuillage en souffre, la plante n'en mourra normalement pas. Tout le long de la parcelle qui revient vers la terrasse, des oignons, céleri, et nos fraisiers qui ont peu produit, mais qu'on va encore pouvoir reproduire cette année. On en a préparé 63, dire qu'il n'en restait que 3 l'année dernière. Et pour terminer, dans les bacs de la terrasse, toujours des tournesols et autres ornementales, avec en contrebas les topinambours bordés de danésie. Ces massifs fleuris se prolongent le long de la maison avec des enchaînements de plantes ornementales. Voilà pour le tour du jardin. Eh bien, cette année est vraiment particulière, chaque année l'est, mais celle-ci on a eu un enchaînement de mauvaises circonstances, de la fin de l'hiver à l'été. Il va falloir s'y habituer. C'est clair que le jardin ne sera pas aussi productif qu'attendu, surtout comparé à l'année précédente, mais il faut faire avec, on relativise, et puis heureusement, la diversité des plantations permet d'avoir des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, quel que soit le climat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt !